Il était un homme unique à son genre. Il n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il était sa mission, il s'est mort. Lève-nous à lui le psaume. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume numéro 16. Nous lisons la parole de Dieu. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souvenez-moi bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas les libations de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Un héritage délicieux m'est échu. Amen. Une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. Amen. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Quand il est à ma droite, je ne s'en sers pas. Amen. Aussi, mon cœur est dans la graisse. Et mon esprit, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans la graisse. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître la santé de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen.
Tout est accompli, les vallées déchirées. Tout est accompli, tout est accompli, les vallées déchirées. Tout est accompli, Dieu t'a pardonné. Tout est accompli, le palais déchiré. Tout est accompli, Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, mon Sauveur, pour te dire encore merci pour cet amour, cette grâce que tu nous as encore accordé, Père Tout-Puissant, un jour au jour d'aujourd'hui, Père Saint-Dieu, que tu nous as donné pour que nous puissions avoir la joie d'être dans ta maison, mon Sauveur. Béni soit ce nom merveilleux que tu nous as fait connaître, mon roi, et que nous chérissons dans notre cœur et que nous portons avec beaucoup de reconnaissance, de respect, de crainte, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que c'est le nom le plus glorieux, mon Sauveur. Seigneur, dans ce nom, tous genoux dans les cieux fléchis. Dans les bas sous la terre, Père Tout-Puissant Dieu. Dans les bas, dans les mers, Père Tout-Puissant Dieu. Au plus profond de la terre, mon roi, tous les genoux fléchissent, mon Seigneur. Tu es vraiment roi et tu règnes et tu domines. Tu l'as dit dans ta parole à toi que avant toi n'a point été formé des dieux. Et après toi, il n'y aura jamais de dieux. Tu es l'unique, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Tu fais lever le soleil, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu fais aussi, Père Tout-Puissant, paraître la lune, mon roi. Seigneur, ton nom est vraiment saint. Et ton nom à toi est craint de génération en génération, mon roi. Tant que le soleil subsistera, mon Seigneur, ton nom sera toujours craint, mon roi. Béni soit ton saint nom. Oui, tu es vraiment l'étoile qui donne encore la vie, Seigneur. L'étoile qui nous éclaire, mon roi. Lorsque nous sommes dans ténébrés, Seigneur, tu nous montres le chemin. Merci encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir, pour réellement te glorifier, pour t'adorer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as vraiment donné, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour cette vie, pour la victoire que tu as remportée pour nous, Seigneur. Merci, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ce que nos yeux peuvent voir, Père Tout-Puissant-Dieu, ce que toi tu as fait, Seigneur. Et la Bible déclare que tes œuvres te loueront. Nous le sommes, mon roi. Nous te louons, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et célébré encore ce soir. Merci pour chaque cantique, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque cœur, Père Saint-Dieu, qui s'est élevé encore devant ton trône de grâce pour te dire encore merci encore de m'avoir réveillé aujourd'hui. Merci encore de m'avoir conduit dans ta maison encore aujourd'hui. Merci parce que par ta grâce, mon roi. Beaucoup sont partis aujourd'hui et n'ont pas pu avoir la grâce pour te connaître, bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais en outre, tu as accordé la grâce, mon roi, et te connaître sur la terre des hommes, mon roi, et de chanter les chants des cieux, mon roi, d'avoir un cœur qui a été changé par toi, de t'aimer sur ce monde, bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Oh, comme la Bible dit, Père Tout-Puissant-Dieu, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Tu es réellement notre conseiller, mon roi. Nous accrocherons à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te louerons tant que nous vivrons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'aimerons tant que nous existerons, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Sois donc exalté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et adoré, mon roi. Merci aussi pour le pardon de nos péchés. Merci de nous avoir, Père Tout-Puissant-Dieu, nettoyé, récuré, bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu, et sanctifié, mon roi. Ce que tu fais pour nous chaque fois que nous venons en cet endroit, et sanctifié par ta vérité et ta parole, la vérité, Seigneur. Lorsque nous entendons ta vérité, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous abandonnons tout, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour revenir à toi. Donne-nous aussi la force, Père Tout-Puissant-Dieu, par elle-même aussi abandonner toutes ces choses, mon roi.
Nous voulons rien nous attacher à quoi que ce soit, Père. C'est ta puissance à toi, Père. Ô Dieu qui agit dans chacun de nous, Père Dieu. Qui nous ramène davantage, mon roi. Nous avons soif de Dieu vivant. Nous avons vraiment soif de toi. Besoin de toi, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Pour tenir encore ferme dans cette marche, mon roi. Nous crions vers toi, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Aide-nous à t'aimer encore davantage, mon roi. Aide-nous à pouvoir vraiment t'aimer, bien-aimé Père Saint-Dieu. À te servir avec détermination, mon bien-aimé Père Tibissant. À ne compter que sur toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu es vraiment notre Dieu, Seigneur. Ah, nous te désirons vraiment du fin fond de notre cœur, mon roi. Ouvre, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, le corps de nos cœurs encore davantage, mon Seigneur. Pour que nous puissions vraiment, Père Tibissant, Dieu, arriver à pouvoir vraiment te porter dans notre cœur. T'aimer vraiment comme tu le mérites, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Et ne vivre que pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que ton nom résonne dans notre cœur, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, comme il dit agréable, mon Père Tibissant, Dieu, Père Dieu, comme une consolation merveilleuse encore, mon bien-aimé Père Tibissant, comme une force qui relève les faits, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que tu es réellement notre force, mon roi. Loué soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, mon roi, dans les cieux et sur la terre. Ton nom est invoqué, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour Père Tibissant, Dieu, donner encore Père Tibissant la joie à ceux qui ont Père Tibissant les vêtements de deuil, mon bien-aimé Père Tibissant. Louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour, bien-aimé Père Tibissant. Merci aussi pour ta paix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ta délivrance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu accordes à ton peuple, à toi, mon sauveur. C'est un jour merveilleux pour nous, bien-aimé Père Tibissant, d'avoir la grâce d'être dans ta maison, à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour avoir cette opportunité, bien-aimé Père Tibissant, et d'exprimer notre amour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Vive encore nos bouches, mon bien-aimé Père Tibissant, tu as dit, ouvre ta bouche et la remplirai, Seigneur Jésus. Loué soit ton Saint-Nom encore aujourd'hui. Libère nos cœurs, libère encore nos âmes, mon bien-aimé Père Tibissant, pour que cela soit ton service à toi, 100%, mon Seigneur. Comme tu le veux, Seigneur, nous passons à tous nos bien-aimés frères et sœurs, que tu nous as donné, Père Tibissant, dans les confins du monde, qui sont aussi en communion avec nous aussi à cette heure-ci, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ta paix soit avec eux, bien-aimé Père Tibissant. Que ta bénédiction leur soit accordée, bien-aimé Père Tibissant. Et que ta délivrance leur soit aussi accordée, bien-aimé Père Tibissant. Pour eux, pour les enfants aussi, bien-aimé Père Tibissant. Pour tous ceux qui leur sont chers, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es réellement notre rédempteur béni, Seigneur. Nous te croyons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison, mon Seigneur. Pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. À toi, la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire encore que tu règnes dans notre vie, Seigneur Jésus. Et que ce soit plus notre vie, mais que ce soit ta vie à toi, et dans lequel tu règnes et tu domines. Relève ton peuple, mon bien-aimé Seigneur Dieu. Aie pitié, miséricorde insondable, mon roi, et accorde cette grâce encore pour que nous puissions vraiment nous accrocher à toi et déterminer, Seigneur, d'être ferme dans nos sentiments, mon sauveur. Oui, tu es vraiment l'alpha et l'oméga. Oui, le commencement aussi et la fin, Seigneur. C'est toi qui termine la course de toutes choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu as fixé la limite de toutes choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu commences et aussi tu achèves, mon sauveur. Nous te disons merci. Merci encore, mon roi. Oh Dieu, entraîne-nous encore davantage, mon roi, et nous puissions avoir nos cœurs vraiment aussi transportés, Seigneur, à cause de ton amour à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à cause de tout ce que tu fais pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comment rester la bouche fermée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? Comment rester les cœurs fermés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? Oh, Père Tibissant, c'est pas n'importe quoi être possible, mon roi, devant ta face, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es venu, Père Saint-Dieu, pour donner la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es venu pour libérer, Père Tibissant, Dieu. Tu es venu pour nous fortifier, mon roi, pour nous consoler encore davantage, mon roi. Seigneur, tu es venu pour nous remplir encore de ton esprit, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui parle, mon bien-aimé Père Dieu. Merci encore en ce jour, mon sauveur. Merci encore en cette soirée, Père Saint-Dieu. Merci parce que nous voulons vraiment avoir qu'un seul cœur et une même âme, mon bien-aimé Père Tibissant, ayant le même sentiment qui était donc en Christ notre Seigneur, pour pouvoir aussi les manifester aussi à l'endroit de mon frère et de ma soeur. Que cela, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, que tous ceux qui freinent soient complètement aussi brisés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que les verrous soient brisés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais vraiment, que le cœur soit relâché, mon bien-aimé Père Tibissant, ouvert pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ouvert pour que ta parole à toi puisse avoir la prééminence
laisser la domination aussi, mon bénéfice, mon Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, gloire à toi et honneur à toi, et encore ce soir. Seigneur, aussi, dans les jours à venir aussi, mon bénéfice, Père Dieu, laisse que mon cœur, notre cœur puisse encore déborder d'amour encore davantage, comme tu dis, les flots, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Gloire à toi et honneur à toi, ô Jésus-Christ, le roi. Merci, Seigneur Dieu. Inspire encore et conduis encore davantage au roi et donne-nous vraiment la grâce de pouvoir vraiment avoir ce cœur qui déborde vraiment d'amour et d'excellence, Père Tout-Puissant Dieu, pour toi, de t'exprimer, Seigneur Jésus, encore et davantage et profondément encore davantage au roi. Merci pour ce jour que tu nous as donné, bénévole Père. Merci pour le psaume. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Et merci aussi pour la chorale. Merci pour les enfants. Merci pour tous ceux qui travaillent en ces lieux, mon bénévole Père Saint-Dieu. Pour ceux qui travaillent pour toi encore, Père Tout-Puissant Dieu, pour chaque frère, pour chaque soeur, dans chaque moindre détail, bénévole Père Tout-Puissant, souviens-toi de cet enfant Élie, Seigneur Jésus, souviens-toi de chaque frère et chaque soeur, Seigneur, dans tous les travails, domaines qui sont, Père Tout-Puissant Dieu, Seigneur, pour que ta maison à toi soit aussi maintenue dans la propriété, bénévole Père Saint-Dieu, dans l'amour, bénévole Père Tout-Puissant Dieu, dans cette allégresse, mon bénévole Père Tout-Puissant Dieu, notre cœur se réjouit en toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es réellement notre rédempteur. Nous voulons te parler, nous voulons vraiment t'exprimer ce que nous avons dans notre cœur, mon roi. Et vraiment, donne-nous encore des jours heureux, donne-nous encore des jours comme ça, mon bénévole Père Saint-Dieu, où nous sommes, Père Saint-Dieu, conduits à pouvoir réellement t'exprimer encore beaucoup de reconnaissance, mon Seigneur Jésus. Sois béni, sois exalté. Nous ne te prierons jamais assez, nous ne te louerons jamais assez, mon bien-aimé Père. Béni sois-tu encore en ce jour. Oui, conduis encore nous, Père Saint-Dieu. Conduis encore ton peuple, mon sauveur. Tu es le berger de nos âmes, mon bien-aimé Père Saint-Puissant. Ah, l'Éternel, notre Dieu, qui conduit encore son troupeau vers le vert pâturage, mon roi. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Puissant, à vivre rien que pour toi, mon sauveur. À ne regarder qu'à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est une décision que nous avons prise. Oh, bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous avons ce désir continuellement à pouvoir tourner nos regards vers toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons tourné nos regards à gauche et à droite, Père Saint-Dieu, en comptant sur les uns comme sur les autres. Mais c'est terminé, Père. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le seul qui nous conduit. Et comme nous l'avons entendu, tu es notre conseiller, Seigneur, le donateur de tout don excellent, et l'excellence des excellents, mon sauveur. C'est ta vie à toi et ta conduite et ta volonté à toi, qu'elle soit faite dans notre vie, que nous puissions la mettre aussi, Père Tout-Puissant Dieu, en pratique et accomplir ce que tu as eu à pouvoir dessiner. Merci d'avoir libéré mon frère, merci d'avoir guéri aussi ma soeur. Merci aussi d'avoir aussi, Père Tout-Puissant, aussi, guéri aussi sa sœur. Merci pour tout ce que tu fais pour mon frère Marcelin et toute sa famille, bien aimé, Père Tout-Puissant. Ce n'est pour notre sœur, Père Saint-Dieu, Père Tout-Puissant, leurs enfants. Mon Seigneur Jésus, que tu te souviennes de chacun d'eux, dans chaque lieu dans lequel ils se trouvent encore en ce jour, mon bien aimé, Père Tout-Puissant. Louange et honneur à toi, parce que tu es vraiment le Dieu vivant que nous aimons, Seigneur Jésus. Nous voulons te servir encore et davantage, mon roi. C'est ton peuple. Conduis-nous encore en ce temps. Nous avons vraiment besoin de pouvoir vraiment vivre. Et vous désirez pas subir avec un ardent désir de te voir, Père Tout-Puissant, ces jours-là. Oh, comme tu as fait la promesse, mon Seigneur, nous soupirons après toi, mon sauveur. Et si nous sommes là, c'est vraiment pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que tu as permis que nous puissions y être, mon Seigneur. Parce que les jours de l'homme, Père Tout-Puissant-Dieu, sont comme les jours d'un tisserand, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, ça passe. Oh, Père Tout-Puissant, comme un vent qui passe, mon sauveur. Mais tu as déterminé, tu as fixé le temps, mon Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Et pendant le temps de notre pèlerinage, mon roi, nous voulons vraiment te donner beaucoup plus de temps, Seigneur. Oh, Dieu, t'es consacré encore plus de temps. Pardonne-nous pour le temps que nous ne te donnons pas beaucoup, Seigneur. Mais aide-nous encore davantage pour que nous puissions encore te donner tout ce temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui te revient de plein droit, mon Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur Jésus.
qui est aussi un modèle pour beaucoup de mes partisans. Et accorde la grâce au roi, que ton peuple soit fermé, aussi déterminé, mon bien-aimé Père du sang, à te servir, à vivre pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père. Gloire à toi. Oh, des paroles de charme bouillonnent le cœur, mon roi. Mon Dieu d'amour, que tu sois vraiment exalté, glorifié. C'est vrai, Père Dieu. Merci, merci pour tout, Père Dieu. Merci, comme cela brûle dans nos cœurs, mon roi, pour voir te dire merveilleusement que tu es bon pour nous, mon sauveur. Merci, Père. Souviens-toi de chaque sœur et de chaque frère qui se connecte encore ce soir dans ce lieu où il se trouve, dans sa maison, à l'endroit. Dans tous les pays, différents endroits, mon bien-aimé Père Saint, tu nous as vraiment donné beaucoup de frères. Je prie pour mon frère là-bas en Caïe, que tu le bénisses, Père Saint-Dieu. Tu vois aussi son amour, son désir de pouvoir s'accrocher à ta parole, à toi, à tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, en Côte d'Ivoire aussi, à ceux qui sont aussi à Pointe-Noire et Brazzaville, partout, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ce soit là-bas en Asie, oh Dieu, en Australie aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, oui. Que tu le bénisses, Père. Je ne vais pas oublier à ceux qui sont à Yogyakarta, Père Tibissant Dieu, nos précieux frères et sœurs, passant Dieu, Seigneur, notre sœur et toute sa famille entière. Que tu puisses encore agir encore davantage. C'est vrai, sur la planète, tu nous as donné des frères. Que ce soit en Inde, passant Dieu, Pakistan, différents endroits, mon sauveur béni. Nous avons la joie de pouvoir réellement aussi avoir cette connexion avec tous les bien-aimés frères et sœurs que tu nous as vraiment donné et qui se donne aussi à toi et qui. J'implore aussi la grâce de pouvoir aussi le conduire, mon sauveur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ceux qui sont en Espagne. Ils sont aussi participants au Dieu là-bas, au Canada, partout, passant au Dieu, à différents endroits, aux États-Unis, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cela, Père Dieu. Dans tout le contrée de l'Afrique, c'est vrai, tu as un peuple, Père Saint-Dieu, qui tu nous as donné aussi la grâce de pouvoir aussi avoir et connaître aussi, mon sauveur. Béni soit ton Seigneur, mon sauveur. Nous voulons penser à eux, Père. Nous te remercions pour cela. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions pour tout. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous accorde de pouvoir nous retrouver ensemble. Et comme les Saintes Écritures les déclarent aussi, qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. C'est vraiment là que le Seigneur notre Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sentons donc ce vent merveilleux et béni qui arrive pour nous transporter effectivement dans ses bras afin que nous puissions vraiment nous consacrer davantage et de plus en plus à chercher sa face. Parce que lui-même, il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est le cri de notre cœur aussi. Parce que nous nous sentons bien quand nous sommes dans sa présence. Nous sentons bien quand il nous soutient, quand il est aussi là, qu'il est aussi présent. C'est ce à quoi, effectivement, aussi nous sommes appelés à pouvoir aussi avoir constamment, quand nous nous retrouvons dans un endroit comme celui-ci, où nous avons la grâce d'avoir nos frères et sœurs, nous ne venons que pour lui. Nos pensées ne sont et doivent être tournées que vers lui, et pour lui, effectivement, aussi, notre amour pour lui davantage, qui nous aussi... pour ceci avoir aussi l'amour les uns pour les autres. Alors notre service, c'est à lui que nous le rendons. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons dans notre fort intérieur. Que Dieu bénisse ton peuple. Amen. Qu'il vous bénisse richement, qu'il vous fortifie beaucoup, qu'il bénisse aussi la chorale. Que Dieu vous remplisse. Ah, je vois ma sœur Mona là-bas. Que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. C'est pas facile, tu habites si loin. Mais elle a toujours le désir de venir à l'Assemblée. Il faut beaucoup prier pour elle. Et c'est pas, oui, c'est important.
Parce que je pense qu'il habite plus ou moins, je ne sais pas si c'est combien de kilomètres de là jusqu'ici. Combien d'heures tu peux faire en fait quand tu viens ici. Vous entendez donc 20 minutes à pied, 3 heures de transport en commun. Et puis il doit arriver là-bas pour qu'on puisse l'aider à pouvoir venir. Que Dieu te bénisse. Nous allons quand même prier pour elle. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est vraiment touchant dans notre cœur de voir notre sœur Mona qui a des difficultés, Père Saint-Dieu. Seigneur Jésus, notre cœur est touché. Le mien, Père Saint-Dieu, pour notre précieuse sœur Mora. Que tu aies pitié d'elle, malgré les faiblesses qu'elle peut avoir, les situations perturbissantes. Mais on voit dans son cœur, Père Saint-Dieu, les désirs profonds qu'elle a, mon bien-aimé Père Dieu, d'être dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Elle habite tellement si loin, mon Seigneur Jésus. Elle se bat, elle veut être, Père Saint-Dieu. Tu connais aussi son combat, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est ta fille, mon roi. Elle a des faiblesses, elle a des difficultés aussi. Même dans la relation, mais que tu puisses lui accorder cette grâce, mon roi, de souvenir d'elle, Père Tubissant, de cet amour qu'elle a aussi pour toi, Seigneur. Parce qu'elle n'a pas un autre Dieu que toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Elle a eu à pouvoir regarder. Les hommes ne peuvent pas lui apporter ce dont elle a besoin, Seigneur. Elle a essayé de voir s'accrocher à l'un comme à l'autre. Cela ne l'a pas apporté bonheur, Père Tubissant-Dieu. Mais elle a remarqué qu'en toi, elle a tout, mon Seigneur. Puis-tu lui accorder cela, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu es réellement notre Dieu. Merci parce que nous sommes dans la joie de pouvoir aussi la voir encore aujourd'hui, Seigneur. Elle se bat, Seigneur. Oh Dieu, me soutiens là et donne aussi cette grâce d'avoir aussi la paix, bien-aimé Père Tubissant, pour sa famille, pour ses enfants, Seigneur Jésus. Et là, c'est désir de voir qu'ils entendent aussi leur voix, ces enfants lui parler, Seigneur Dieu. L'enfant puisse aussi la visiter, Seigneur. Elle en a besoin, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et exalté pour ce que tu fais, Seigneur. C'est aussi une consolation pour nous de pouvoir la voir. Merci de nous l'avoir donné. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour notre frère Nicolas. Vous savez qu'il a perdu sa mère. Nous allons prier pour lui, pour que le Seigneur le console. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te remettre notre bien-aimé frère Nicolas, Seigneur. Tu connais aussi son amour et son dévouement, Seigneur Jésus, pour ton œuvre à toi, pour ta maison, Seigneur. Et il vient de perdre sa mère. Il ne voulait pas que sa mère puisse partir dans les conditions que le monde a eu à pouvoir leur donner, Seigneur Jésus. Son désir, c'est qu'il puisse avoir une maman qui reste, qui s'accroche à toi, Seigneur Jésus. Puisses-tu vraiment le consoler. Il est là comme seul, effectivement, dans la famille, pour avoir pris position pour toi, pour avoir dit non à ces choses-là. Que tu puisses vraiment le consoler, Seigneur Jésus. Ah, Père Saint-Dieu, tu lui as donné une famille. Nous sommes aussi sa famille, Seigneur, et nous prions pour que tu le soutiennes, pour que tu le fortifies, que tu le consoles encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus, il a vraiment besoin de toi, et soutiens-le, et fortifie-le, Père, et console-le, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te demandons cette grâce pour lui, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans le livre des Thessaloniciens, et on va lire au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont donc morts. Dans la version correcte, ceux qui se sont donc endormis. Vous avez compris. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec notre Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est vrai, Père, tu nous consoles. Merci encore pour cette grâce que nous pouvons avoir, les Saintes Écritures. Oh Dieu du ciel, si tu n'étais pas là, si ta parole n'était pas là pour nous, que ferons-nous, mon bien-aimé Seigneur Jésus, avec tout ce que nous voyons dans ce monde? Oh Dieu Tout-Puissant, merci vraiment, tu es vraiment un Dieu sage. Tu nous as donné vraiment quelque chose de tellement si merveilleux, qui nous apaise, mon Sauveur, qui nous rassure. Et même quand le monde est bouleversé, nous sommes dans la paix, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Sois béni encore ce soir, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont réellement les paroles de consolation. Et ces paroles de consolation sont destinées, effectivement, au peuple de Dieu. Mais c'est-à-dire que c'est le peuple auquel Dieu a toujours voulu prendre soin et aussi et conduire encore davantage, comme dans le psaume 23, qu'on nous dit que l'Éternel est mon berger. Le berger est le gardien aussi de nos âmes, en réalité. Et comme dans le psaume 16, nous l'avons lu aussi, il dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » C'est ce qu'il veut être, en fait. Ton conseiller à toi, ton berger, ton conducteur, et celui qui pourvoit pour tout besoin. C'est une grâce que nous avons vraiment un conseiller qui est Dieu. Ce qui veut dire que nous devons être dans l'assurance. Lorsque nous avons une situation, un problème qui surgit, effectivement, on se pose la question de pouvoir savoir comment je dois agir, comment je dois m'y prendre. J'ai un conseiller. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il faut que nous le prenions pour notre conseiller. C'est-à-dire que quand on veut agir, on dit, je vais quand même demander, Seigneur, est-ce que cette façon-là, est-ce que c'est comme ça, c'est bon que je fasse comme ceci ou pas, effectivement. Alors, vous savez, j'ai eu un témoignage, je vais quand même le dire, effectivement, aussi. Oui. C'est Wivine, vous connaissez notre sœur, Wivine. Que Dieu la bénisse et que le Seigneur l'aime aussi. Alors, c'est pour voir comment Dieu prend soin. Et parfois, quand on pense qu'il ne nous regarde pas, qu'il ne nous voit pas, Dieu prend soin d'une manière tout à fait particulière. Alors, Wivine cherchait un appartement, vous le savez. Alors, je crois que c'était hier. Et il était tellement dans un découragement, il s'est même dit, mais est-ce que Dieu existe? Que Dieu existe pour mes frères et sœurs? Mais pour moi, Dieu m'a oublié parce qu'en fait, je cherche, je trouve rien. Je n'arrive pas. Et ça fait mal au cœur. Et cela aussi, bon. Parce qu'il veut vraiment arriver à pouvoir avoir un endroit qui est bien. Alors, je crois que c'était hier, sa journée était vraiment difficile et, vous savez, comme une mère, il a des enfants, il voit ses enfants dans... Il veut avoir cela. C'est pour ça qu'il a vraiment besoin de cela. Alors, son cœur était déchiré. Elle a même pensé en disant, est-ce que je dois encore aller à l'assemblée? Parce que, vous savez, quand on arrive à un point tel que... Et voilà, quelque chose s'est passé. Anne-Laure, ne sachant pas ce qui se passait à... Elle ne savait pas, je pense qu'elle n'était pas. C'est en passant ce qui s'est passé, effectivement, dans le cœur de Wivine. Et Anne-Laure, effectivement, elle a été conduite à pouvoir... Alors, ce qui est extraordinaire, Wivine me dit, mais papa, c'est quand même extraordinaire. Cette prédication, tu l'as apportée, si c'est en 2000, je ne sais pas comment c'est 17 ou 18, il dit, mais comment Anne-Laure est allée chercher en 2017? Si c'est 2015 ou 2019, il a bien dit. Il a écouté, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a pris l'extrait d'une prédication sans savoir que Wivine passait par le moment vraiment à bout, là. Elle prend cet extrait, cette prédication, elle envoie à Wivine. Et alors, dans cette prédication, elle ne savait pas. Et dans cette prédication, alors, c'était ici, et le Seigneur dit, mais vous cherchez un appartement.
Vous êtes en train de pouvoir vous passer. J'ai dit, alors dans tout le moindre détail, effectivement, de ce qui se passait dans le cœur de Weaving. Elle dit, papa, je suis tombé à genoux. J'ai commencé à pleurer, dit Seigneur, pardon. Ce que le Seigneur nous connaît. Que Dieu te bénisse, Anne-Laure. Te bénisse richement, ma chérie. Oui, que Dieu te bénisse beaucoup. Et nous avons besoin de pouvoir réaliser aussi que Dieu veille sur nous. Elle a compris, elle, Wivine, que Dieu veille et connaît son problème, mais vraiment d'une manière assez précise et claire. Parfois, on a l'impression que le Seigneur, notre Dieu, ne nous voit pas, ne nous écoute pas. Non, moi, je suis un homme, mais lui, il est Dieu. Amen. Chaque larme que vous versez, ça, c'est très bien, c'est écrit. Chaque larme que vous versez, Dieu sait cela. Et chaque douleur que vous ressentez, effectivement, pour quoi que ce soit, et tout, c'est pour ça même, c'est frères et sœurs, remettez votre sort à l'Éternel. Il agira en son temps, et soyez sûrs et certains que le Seigneur ne vous oublie pas. Nous ne servons pas un mur, mon frère et ma sœur. Nous ne servons pas une statue. Faut jamais vous relâcher, décourager, effectivement, même si ça devient tellement difficile. Sachez que, aussi longtemps que vous venez dans sa maison, que vous le priez, que vous chantez pour lui malgré tout, il vous voit, en fait. Si j'ai des yeux, c'est lui qui a créé des yeux. Ne peut-il pas voir lui aussi? Si moi je peux avoir des sentiments et toucher par vos infirmités aussi, ne peut-il pas lui qui a créé ce sentiment, lui avoir encore plus que moi-même, mon frère et ma soeur? C'est pour ça que nous devons avoir constamment dans notre cœur cette reconnaissance à l'endroit du Seigneur, malgré que même si on ne voit pas, mais ce qu'il fait dans le lieu secret, vous ne le voyez pas, en fait. Alors, comme nous le disons, effectivement, il est un consolateur. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand il était avec ses disciples, effectivement, il dit, voilà, il dit, bon, il leur fait comprendre qu'il va s'en aller, effectivement, aussi. Mais il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Donc, effectivement, il veut toujours rassurer son peuple pour que ce peuple marche avec assurance. D'ailleurs, il l'a même dit aussi, il dit, mais vous aurez des tribulations. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Tout ça pour te rassurer. Tout ça pour te montrer qu'effectivement, qu'il est là, effectivement, il ne t'abandonne pas. Si toi, tu ne l'abandonnes pas. Parce que ça, c'est là. Que tu vois, mais si vous êtes avec lui, il est avec vous. Si tu l'abandonnes, lui aussi, parce que si tu n'as pas besoin de lui, il ne peut pas te forcer, effectivement. Donc, c'est important que nous puissions comprendre. D'abord, que lorsque nous nous rassemblons, quand nous venons, j'ai toujours insisté, j'insisterai toujours, n'ayez jamais des habitudes pour venir dans l'assemblée. Parce que vous ne bénéficierez de rien. Il faut que ça soit quelque chose dont vous sentez le besoin. Et puis aussi, ce n'est pas normal que tu ne sentes pas le besoin de venir dans la maison du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Parce que toute la journée, on vagabonde à gauche et à droite, on va travailler pour les sardines, pour les boîtes de conserve, pour ceci, pour les papiers, les entreprises et tout ça, pour mettre et remplir effectivement pour les chômeurs. Tout ça vous faites effectivement. Ça ne rapporte rien à votre âme. Donc tu soupires à pouvoir être quelque part, effectivement, où ton âme reçoit quelque chose, parce que c'est cette âme ici qui doit vivre. Amen. C'est pour ça que ça devait être... C'est là qu'on comprend, effectivement, quand la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Parce qu'ils avaient compris qu'effectivement, oui, ils pouvaient faire leur chant, oui, ils pouvaient travailler, effectivement, tout ça, c'est pour le corps. Mais son âme a besoin de cela. Faut jamais, frères et sœurs, vous donner des excuses, en fait, je n'ai pas envie, etc. Non. Quand on est dans une situation où on ne sait pas, c'est autre chose. Mais être dans la maison du Seigneur, ça doit être la joie et le plaisir de tout un chacun de nous, effectivement. Donc,
Il dit que consolez-vous donc, disaient les autres, pardon, ces paroles, effectivement. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir combien Dieu nous aime et il aime son peuple beaucoup. D'ailleurs, si nous venons quand même dans un endroit comme celui-ci, nous devons d'abord savoir le pourquoi que nous venons. C'est pourquoi-là, il ne faut jamais que ça quitte effectivement notre pensée, notre esprit. Il faut qu'on puisse voir aussi, parler à nos enfants. Et avoir le temps aussi de pouvoir vous asseoir avec vos enfants. Pas tout le temps gronder, mais ça va, bon, asseyons-nous. Maintenant, on va vous dire effectivement pourquoi nous aimons Dieu. Pourquoi je vais avec... Parce que parfois, ça peut devenir en fait comme la routine pour vous. Mais vous devez comprendre pourquoi nous allons. Pourquoi ceci, et ceci, et cela. Parce que il faut que les enfants comprennent. Vous imaginez, réalisez effectivement aussi comment Abraham faisait avec son fils, non? Vous le savez, puisque l'enfant lui a posé la question, hein, voici le fait, parce que l'enfant savait. Donc papa lui a toujours amené, lui montrer effectivement comment est-ce que, pourquoi il sert Dieu, ceci. Donc il savait. Donc nous devons avoir cette attitude, effectivement, ces moments où on s'assied, que nos enfants soient aussi obéissants. Leur parler, effectivement, voilà, bon, nous vivons sur la terre, effectivement, si vous allez aux études, effectivement, parce que souvent, quand on est dans les systèmes, effectivement, ça procure tellement l'esprit qu'on oublie. Et puis quand on doit venir à l'assemblée, on comprend pas tellement très bien parfois pourquoi on veut quand même pour ceci, effectivement. Mais on doit comprendre, effectivement, le but pour lequel nous venons. Ça doit donner, en fait, effectivement, aussi l'empressement. Ça veut dire que même si je vais travailler, en tout cas, c'est important pour moi quand même. Je ne vais pas pour faire plaisir à ma maman ou à mon papa, mais moi-même, j'ai besoin de pouvoir me tenir dans la présence du Seigneur parce que je sais pourquoi et qu'est-ce qui va aussi se passer aussi pour nous. Donc, c'est important qu'effectivement que cela soit aussi compris. Donc, comme les saints qui nous font savoir effectivement aussi, mais nous devons nous consoler. Alors, on comprend effectivement pourquoi nous venons dans un endroit comme celui-ci. C'est parce que il y a donc une promesse que le Dieu du ciel a eu à pouvoir faire aux hommes. Mais pas à tous les hommes. C'est là que nous sentons effectivement que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, malgré que nous marchons comme tous les autres humains, effectivement, si faisant ce que les humains font, nous ne sommes pas comme tout le monde. Parce que le Dieu du ciel a eu à pouvoir, effectivement, aussi faire une déclaration qui ne concerne pas le monde entier, mais qui concerne, effectivement, un peuple bien précis. Et c'est là aussi qu'on doit aussi se sentir, effectivement, que nous sommes concernés par ce que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer. Et pour que tu descendes aussi concerné par cela, il faut que ce Seigneur en question devienne aussi ton Seigneur et ton Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas... J'ai pas bien entendu. Vous comprenez cela? Donc si toi aujourd'hui, tu dis que Jésus est Seigneur, ce que tu répètes, c'est ce que l'autre t'a dit. C'est pour ça que tu n'as pas, effectivement, si c'est toi, d'empressement, effectivement, si, même dans l'adoration, même peut-être dans le chant, dont tu n'es pas dedans. Oui, parce que frère et sœur, tu peux être assis tout seul. Seul, simplement, tu commences à chanter, les larmes coulent. Parce que tu es concerné, parce que tu n'as pas besoin que les frères et sœurs soient là pour que ça fasse beaucoup de bruit. Seul, dans ta chambre à coucher, dans ta maison, où tu vas, personne Dieu. Donc, dans ton âme, effectivement. Tu es quelque part, tu dis, on te voit, on dit, monsieur, comment ça se essuie ses yeux, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans la joie. Mais il pense à son Jésus. Amen. Il veut lui exprimer de l'amour, effectivement. Parce que tu as une relation avec. C'est quelque chose que ça doit être. C'est en vous. Parce que vous l'avez connu en fait. Comme la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu le sais, toi, qu'il a fait de toi quelqu'un de tout à fait particulier, de nouveau, même si les gens t'insultent sur la terre, tu es une fille de Dieu. Même si même Dieu, tu es un fils de Dieu, tu le sais, toi. C'est pour ça que quand il t'insulte, effectivement, tu ne rends pas d'insulte pour... Non. Parce que tu sais qui tu es, effectivement. Et tu te souviens que lui aussi, on lui a fait cela. Pourquoi les gens disent, mais pourquoi tu ne réagis pas? En fait, parce que toi, tu regardes quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parce que tu as cette chose, effectivement, aussi.
une relation dans ton âme avec c'est ce à quoi Dieu, notre Seigneur, veut. Ce n'est pas une question, effectivement, de la foule, une question, effectivement, de groupe, mais c'est une question d'individu. Parce que la parole de Dieu est adressée non pas à des groupes, effectivement, mais à des individus. Et ces individus, effectivement, qui croient au Seigneur, qui l'ont reçu, maintenant peuvent former maintenant un rassemblement. C'est la différence. Pas on se rassemble d'abord. Non, c'est Dieu qui touche d'abord le cœur et qui maintenant nous rassemble. Là, ça devient autre chose. Rassemble-moi, mon peuple, avec qui j'ai fait une alliance par les sacrifices. C'est ce qui est écrit, non? C'est qu'il a fait cela. Donc c'est qu'il y a une alliance, il y a quelque chose qui s'est passé, alors, et cela se passe aussi ainsi. Donc nous comprenons qu'effectivement, que il y a eu donc un appel donc, dont nous nous sommes vraiment aussi concernés. J'ai entendu cet appel. C'est pour ça que j'ai eu à pouvoir abandonner tout ce que j'avais. Et maintenant, chaque fois que j'entends effectivement que celui qui m'a appelé, qui me parle effectivement, qui me regarde dans l'état dans lequel je suis, effectivement, dit non, mon fils, ça c'est pas bon, ma fille, ça c'est pas bon, je ne peux pas résister. Parce que mon objectif, effectivement, c'est d'atteindre ces jours-là. C'est donc pour lequel il m'a vraiment aussi appelé. C'est pour ça que, vous voyez, dans les Saintes Écritures, je pense que cela, dans le livre des Éphésiens, nous pouvons les lire avec vous, hein. Il nous dit ici au chapitre 4, verset 1, Éphésiens chapitre 4, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. » La vocation, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est l'appel, oui, c'est cela. Ça vient de la terre. Donc l'appel que Dieu vous a donc adressé, que vous avez eu vous-même, avoir l'occasion de pouvoir entendre effectivement, reconnaître qu'effectivement que non, ce n'est pas les voisins qu'on a appelés. C'est mon nom à moi, qui a été cité. J'ai entendu effectivement le Seigneur m'appeler par mon propre nom. Alors c'est comme cela que mon âme réellement a été touchée. Parce qu'il dit, mais il me connaît par mon nom. Ouais. Vous vous souvenez, ces jours-là, effectivement, aussi, on dit, ah, frère, mais je ne me souviens pas, mais en fait, c'est les jours où il t'a parlé, tu as commencé à pouvoir pleurer. Ton cœur a été touché, tu étais là assise, mais tu as entendu cette parole, effectivement, qui est sortie, et ça a touché ton cœur, et directement, tu as commencé à pouvoir parler, à pleurer, à pouvoir te repentir, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il t'a appelé. Souviens-toi de ces jours-là où tu as dit, pardon Seigneur, j'abandonne le monde, effectivement, j'abandonne tout, les larmes coulées, le cœur brisé. C'est à ce moment-là que tu as senti qu'il a cité ton nom. Parce qu'il est ton voisin à toi. Il n'a rien manifesté. Il était en train de chiquer, effectivement, ainsi et suite. Mais toi, non. Toi, non. Tu as dit ces jours-là. Parce qu'il dit, tu as touché le cœur. C'est parce qu'il t'a appelé par ton nom. Ton cœur à toi était complètement brisé, les larmes à genoux. Et on s'est dit, mais oui, mais ça va. On me dit, mais on ne va même pas arriver à pouvoir parler à l'autre personne. Parce que tu étais complètement, vraiment brisé. Tu dis, Seigneur, dès aujourd'hui, c'est fini, j'ai pris une décision. Je vais marcher avec toi, je vais te suivre, effectivement. Mais c'est parce qu'il a eu à pouvoir s'adresser à toi. Et c'est là qu'il fait qu'effectivement que nous nous sommes donc attachés donc à lui. Alors, nous le suivons, comme il dit effectivement, d'une manière digne de cet appel, effectivement. Tu sais pourquoi il t'a appelé, parce que quand il t'a appelé, effectivement, aussi, il t'a fait comprendre aussi pour quelle raison. Comme il a dit, c'était à Lévi, mais toi, viens, suis-moi. Et puis qu'il a dit de pouvoir s'élever, suivre, il est parti, effectivement, et ne s'est jamais retourné donc en arrière. Ça, c'est important que chacun, parce qu'on s'est dit, Seigneur, mes frères, mais je n'ai pas entendu, mais non, il t'a été appelé vraiment par ton nom, parce que quand tu as pleuré là, c'est parce qu'il a cité ton nom. Amen.
Et tu es concerné par cela aussi, effectivement. C'est pour ça que depuis ces jours-là, tu n'as jamais voulu les lâcher. Parce qu'il y a eu une connexion. Même quand ça bouge, ça monte, ça descend, on a l'impression que la sœur va lâcher, elle va lâcher. Non, il s'accroche encore. Parce que... Bien sûr que oui. S'il t'a appelé, c'est parce qu'il te connaissait. Comme la Bible le fait savoir, effectivement, aussi. Donc, nous marchons, effectivement, avec lui, en ayant connaissance, effectivement, la raison pour laquelle il nous a aussi appelés, effectivement, aussi. C'est pour ça que nous pouvons l'entendre aussi, nous clarifier encore les choses. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que, dans les saintes écritures qu'il avait dit dans chapitre 14 de Jean, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, quand j'aurai fini, peut-être je reviendrai pour vous chercher. Ce qui est extraordinaire, c'est que il a seulement dit ça comme ça, que je vais partir, vous préparer une place, et puis je vais revenir effectivement aussi. Et encore effectivement aussi que, quand on voit aussi dans le livre des Actes au chapitre 1, lorsque ressuscité, il parlait encore là, je crois que le cœur de tous ses disciples était tellement bouillonnant de joie de voir celui qui était mort devant eux là-bas, leur parlant encore. Ils ont eu une telle confiance dans les saintes écritures. Il dit, mais c'est vrai, il était là, il nous parlait de la parole de Dieu, et puis bon, il nous a dit que je serais vivant entre les mains des païens, et puis on me crucifiera, on me fera mourir, effectivement. Et le troisième jour, je ressusciterai. Alors, souvenez, il y a un bien-aimé frère qui est... Nous sommes suivis parce qu'il m'a dit, frère, vous ne savez pas combien de millions de personnes vous suivent. Et il m'a appelé, c'est en Afrique. Il m'a dit, beaucoup vous suivent. Et puis, il m'a rendu un témoignage parce qu'il m'a posé la question, qu'il m'a dit, mais frère, je me souviens dans une des prédications, tu as parlé effectivement... en rapport avec 3 jours et 3 nuits, parce que quand on dit les saintes écritures, on voit, il est récité là, il dit, mais il y a longtemps, mais est-ce que vous pouvez encore me faire savoir en réalité ce que ça veut dire, toi, parce que pour qu'on puisse voir à peu près c'est quoi, comment ça s'est fait que c'est 3 jours et 3 nuits, parce que dans la Bible, on voit, mais le Seigneur a dit 3 jours et 3 nuits. Quoi, vous vous souvenez? Alors j'ai dit, je vais lui répondre. Et puis il me dit, ah Freddy, mais vraiment, il me dit, frère, heureux sont ceux qui sont assis devant toi pour écouter la parole de Dieu. J'ai dit ce qu'il a dit. Alors il dit, mais vraiment, il ne se rend pas compte combien tout le monde... Et puis, vous ne vous rendez pas compte. Il dit, mais frère... Et puis, c'est ça qu'il dit. Il dit, quand je regarde dans l'assemblée à Bruxelles, les sœurs, il dit, ces sœurs ici, regardez comment elles sont assises. Il dit, mais regardez, il dit, frère, vous ne vous rendez pas compte. Nos sœurs qui, les sœurs qui sont assises dans l'assemblée, ils nous écoutent, ils sont assises, on voit jamais leurs gens, ils ont des écharpes devant eux, ils mettent des écharpes sur leur. Oui. Il dit ça donnait une leçon à toutes nos sœurs. On les a copiées. Mais vous vous rendez pas compte. Non, c'est important que vous compreniez ça. Sœurs, même votre coiffure. Je vous l'ai toujours dit, quand vous êtes dans la chorale, vous pensez que je parlais en l'air, mais quand le frère m'a dit cela, j'ai dit, Seigneur, maintenant je sais pourquoi tu insistes. Vous pouvez amener une sœur à l'égarement. Parce que dans cette assemblée, vous ne voyez pas la responsabilité que j'ai dans le monde entier. Et quand vos sœurs vous révoltez, vous coiffez n'importe comment, vous mettez des choses immondes ici, vous donnez l'impression que moi je suis d'accord avec vous. Et c'est ainsi, toutes ces âmes-là, ils ont confiance en ce qu'ils entendent ici. Ils sont nombreux, vous ne vous rendez pas compte. Et vous avez une responsabilité, en fait, votre coiffure, écoutez, moi, je savais pas. Il dit, mais, en tout cas, frère, les sœurs, regardez, ils s'habillent bien, et là, on voit même, ils mettent l'écharpe au-dessus. Et puis, il dit, depuis lors, toutes nos sœurs ont copié. Vous vous rendez compte, toutes nos sœurs, maintenant, on suit cela, on regarde cela, effectivement, et c'est, les sœurs s'habillent en vérifiant, couvrir, effectivement. Mais maintenant, si on va maintenant avec des machins comme ça sur la tête, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous ne devez pas vous habiller n'importe comment. On ne vient pas avec les soutiens-gorge qui sont ici ou des coiffures qui viennent ici. Non, 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 pas ici. C'est-à-dire que là, parce que vous allez conduire une sœur qui dit, ah, c'est comme ça, non, on accepte cela. Et puis, elle va pécher à cause de vous, en fait.
Parce que quand on vous regarde, on doit voir que votre coiffure est conforme aux Saintes Écritures. On dit pas de ceci, pas de cela. Depuis lors, comment quand Dieu... Voyez-vous, ça a été un combat. Parce que les diables, vous vous rendiez pas compte de ce que vous, vous représentez au monde. Vous êtes battu, hein, les pasteurs nous en veulent parce que... Depuis que vous êtes dénudés de ces choses-là, mais les gens ont été aussi bénis, en fait. Dans la plupart des églises, effectivement, ils ne mettent pas tous les froufrous. Hein. Mais c'est parce que... Vous avez essayé de laisser un... C'est pour que vous compreniez que désormais, vous devez vous habiller d'une manière décente. Parce que tous ceux qui vous suivent, effectivement, ils savent que quand la parole que vous écoutez ici, il dit, mais ces gens-là qui sont assis là, ils doivent être décents. Parce que si nous qui sommes loin, ça influence notre vie, alors celles qui sont assises là... Vous voyez, c'est souvent vous que je dis, c'est parce que vous êtes assis ici. Quand on prie, ce sont vos voix qui doivent monter plus. Il n'est pas normal que quand on prie ici, la conscience prie, vous, c'est on voit vos bouches fermées. Non. Vous devez être de ceux-là qui la voix s'élève. Dans les chants, c'est la voix qui s'élève. Dans la prière, effectivement, vous devez beaucoup prier pour que Dieu vous délivre davantage, effectivement, et sainteté à l'éternel. Vous habillez bien, vous chaussez bien, n'importe comment. Et puis, comme je dis toujours aussi, même tous ceux qui, que Dieu soit béni, frères et sœurs, il est toujours bien. Je ne vais pas voir quelqu'un ici qui vient avec des chemises qui sont bizarres pour aller. Non. Je crois que c'est important qu'on puisse respecter. Moi, je respecte les services. Amen. Et chacun de ceux qui doit venir ici, il doit respecter aussi les services. Et tous ceux qui s'asseyent aussi là. Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Supposons que moi aussi, je viens avec ma chemise et manche courte ici. Est-ce que vous allez trouver ça normal avec nous? Ou que je vienne même avec un short qui vient. Vous avez dit, le pasteur a perdu quand même quelque part. Vous pouvez vous asseoir là-bas avec des manches courtes. Mais quand vous venez ici, il faut que ça soit en ordre. Et surtout là aussi, si effectivement, si des blouses partent, des blouses avec un petit peu qu'on voit, on n'a pas besoin. C'est-à-dire bien, comme ma soeur que Dieu te bénisse, on a bien fermé, tout ça, j'ai bien ceci. C'était pas aujourd'hui, ma frère. Je suis allé là dedans. C'est à cause du témoignage qu'on a rendu de vous. Il faut qu'effectivement, parce que des sœurs, effectivement, vous suivent et ils vous prennent pour modèle. Dans votre façon, dans votre habillement, effectivement, aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous aime beaucoup. Amen. Alors, il a posé donc la question. Mais si on rentre maintenant la question, ça va être trop long. Hein. Vous voulez répondre? Amen. Vous voulez la réponse? Bon, puis on va presque... On aime tant être avec Dieu, le Seigneur, notre Dieu. C'est vrai que c'est aussi important pour nous. Eh bien, il conduit comme il veut. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous aime beaucoup? J'ai pas compris. Oui, je prie beaucoup pour vous. Que le Seigneur, vous avez un don merveilleux. Et ce don doit s'exercer avec la puissance du Saint-Esprit. Vous donnez aussi la joie aussi, comme il donne toujours la joie aux autres. Parce que quand vous chantez, vous savez, je vais vous raconter l'anecdote. Nous avons eu à pouvoir voir un frère qui s'appelle, il ne faut pas citer son nom, et il est allé donc m'accuser au pilafal, à la police. Donc je suis accusé, donc là on m'a appelé parce qu'il y a un problème au parquet, parce qu'ici, il est venu ici pour dire, ah, l'église, c'est ça, c'est celui dont vous dites, ah, les pauvres, on le met ceci et cela. Vous qui avez été les pauvres, je connais ce que vous avez dit, les uns. On les met ici, on les fait souffrir. Mais maintenant, c'est moi qui porte la responsabilité. Vous êtes où? Parce que quand ça commence à parler là-bas, c'est moi, je suis responsable. Donc, j'ai été donc convoqué, donc là, parce que les problèmes, il a amené les problèmes au parquet. Oui, il se disait votre frère. Ok, vous avez des tristesses et tout ça. Oh, les passés, ils sont durs. Et les frères sont durs quand ils devaient finir. Nanana. Vous avez parlé beaucoup. Mais maintenant, personne ne va au tribunal, c'est moi. Et c'est au tribunal. Si on vous demande, ah non, moi j'ai pas. Oh, bah, mais pour parler, vous avez parlé. Mais qui porte la responsabilité maintenant? C'est moi. Alors, j'arrive donc là où les dossiers, parce que le parquet a envoyé les dossiers pour qu'on puisse m'interroger. Il avait allé revendiquer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il dit que c'est disait. Bon, bref, il dit ça pour que. Je ne veux même pas penser, vous allez vous dire ça, mais il dit à cause de ce que nous avons. Alors, c'est pour montrer quelque chose. Alors, et c'était donc le policier, donc, dame qui m'avait convoqué. Elle m'a dit, voilà, il a dit, et puis il dit, oui, parce qu'il est allé dire là-bas, l'église, nanana. Vous savez, nous avons de ceux qui disent nos frères. Et puis après, c'est pour nous détruire.
Oui, ça n'avait pas le combat que nous avons. Les diables, ils nous combattent beaucoup. Hein. Oui. Alors, je me suis dit, bon, j'arrive là-bas. Puis je regardais, puis il me dit, puis il me regarde, il me dit, monsieur, oui, si, je vous connais. Il dit, mais je suis déjà venu chez vous, là. Parce que moi, je disais, nous sommes centres missionnaires. Je dis, on ne veut plus l'église, parce que le monsieur était là, je suis devant l'église, je suis devant l'église. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à pouvoir crier, pour pouvoir nous crier, rappeler toute la police entière. Je dis, bon, pas de problème. Alors, madame dit, écoutez, monsieur, il dit, oui, vous, il dit, je vous connais. Ah, il dit, vous chantez bien. Et puis, il me dit, le policier me dit, j'aime bien comme vous chantez. J'ai dit, gloire à Dieu. Seigneur, tu as à pouvoir toucher le cœur. Vous entendez ça? Non, non, non. J'aime bien, hein, j'aime bien comme vous chantez. J'ai dit, alléluia. Et ça rentre bien maintenant, vous comprenez? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, elle dit, j'aime bien comme vous chantez. J'ai dit, Seigneur, tu es quand même. Donc, vous comprenez, effectivement, c'est que l'adoration que vous élevez devant le Seigneur, effectivement, c'est que ça produit même auprès des gens qui sont donc à l'extérieur, effectivement. C'est donc là. Bon, je réponds à la question, puis on va prier, n'est-ce pas? On aime bien l'Écriture. Hein? On aime bien le savoir. Hein? La promesse que Dieu nous a faite. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir comment Dieu a pouvoir encore donner encore plus pour que nous soyons dans l'assurance. Frère, c'est quand même merveilleux. Si Dieu permet, nous pouvons peut-être revenir un jour. Mais je réponds à la question. Donc. Il dit, mais en fait, parce que on voit que c'est pas vraiment 3 jours, c'est peut-être que comme 2 jours et demi, vous savez. Mais le Seigneur a dit 3 jours, 3 nuits. Moi, j'ai dit, mais écoute, bon, là, je veux répondre en fait. C'est vraiment un précieux frère. Hein. Ils s'accrochent à la parole de Dieu, ils écoutent beaucoup de frères, de nos frères sont presque dans le monde entier qui s'accrochent à la parole de Dieu. Alors, Ada, nous avons beaucoup de frères. Au Pakistan, on m'a même envoyé la photo du bébé, vous savez, mignonne pour tout. Vous savez, des remerciements, vous en avez beaucoup de partout. Alors, comme je lui ai dit, écoute, alors je lui ai dit, mon frère, regarde. Voyons, nous allons faire en fait, comme je n'ai pas le tableau pour écrire, mais je vous donnerai. Regardez par exemple ça, je vais peut-être prendre un exemple de quelque chose. Bah, enfin, si. Ça, c'est une ligne. Il a bien dit 3 jours et 3 nuits. Je pose la question, on va savoir. Comment nous connaissons que ceci est le jour? J'ai parlé avec ceci est le jour, ceci est la nuit. En fait, nous connaissons que ceci est le jour parce que nous voyons le soleil s'élever. N'est-ce pas? Donc, chaque fois que le soleil se lève, c'est un jour. Et alors? C'est parce que nous voyons le soleil s'élever, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a que des nuits. Donc, nous connaissons le nombre de jours par le soleil qui s'élève. Mais en dessous, effectivement, il n'y a pas donc de soleil. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des nuits. Donc, chaque fois que le soleil s'élève ici, c'est un jour. Donc, une nuit. Quand le soleil se lève ici, c'est un jour et une nuit. Quand le soleil se lève ici, c'est un jour. Ça veut dire que c'est aussi une nuit. Ça veut dire 3 jours, 3 nuits. Est-ce que vous avez saisi? Donc, il a vraiment fait 3 jours, 3 nuits. Parce que dans les ténèbres, ce n'est que les ténèbres, ce n'est que la nuit. Donc, effectivement, on ne reconnaît que dessus. Et quand on voit ici le soleil, est-ce que, je ne sais pas si vous avez saisi. Chaque fois que le soleil s'élève, on sait que c'est un jour. On n'attend pas qu'il se couche. Une fois qu'il se s'est levé, c'est les jours. Les jours, les jours. Mais là-bas, c'est toujours la nuit. Donc 3 jours, 3 nuits. Est-ce que vous avez compris? C'est une grâce parce que c'est une question que les gens beaucoup se posent.
en se disant, oui, mais c'est comme si les frères, le Seigneur restait dans la tombe deux jours et demi. Mais en fait, non, ça fait trois jours, parce que quand c'est le soleil qui se lève, c'est un jour. Là, c'est la... Est-ce que vous avez saisi? Amen. C'est comme ça. La Bible ne se trompe pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci pour la grâce et la miséricorde que tu as daigné nous accorder encore ce soir d'être venu dans ta maison pour pouvoir te louer, te glorifier, t'exalter encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, parce que tu es vivant, éternel notre Dieu. Tu es le donateur de tout don excellent, l'excellence de l'excellent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tout, notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous conduit encore, mon sauveur. Nous te remercions pour tous les frères et sœurs que toi tu nous as donnés, que toi tu nous donnes. Nous voulons vraiment respecter, Père Saint-Dieu, ton service à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ces bien-aimés frères et sœurs de la chorale que tu nous as donné, Seigneur. Que tu le bénisses, mon roi, qu'ils prennent conscience, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils présentent, Père Saint-Dieu. Qu'ils ne soient pas dans les désinvoltures, mon roi, qu'ils puissent s'habiller comme cela se doit, parce que leur comportement, leur façon d'être influence, comme notre précieux frère a rendu son témoignage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes aussi touchés, mon Seigneur Jésus, de voir une telle responsabilité, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais c'est parce que tu as eu à pouvoir montrer aussi à tes enfants ce que toi tu fais dans cet endroit. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Béni ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni aussi tes serviteurs dans cet endroit, de prendre aussi conscience, de respecter le principe et ton œuvre à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que beaucoup de ces âmes patibissantes, tes enfants, nous suivent partout de par le monde, mon roi. Nous voulons te respecter, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de ce que toi tu fais ici. Merci pour tout ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Tu as touché nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père. Nous prions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos frères et pour nos sœurs qui sont en connexion en différents endroits, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te demandons grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Pardonne, Père Saint-Dieu, chacun de nos pères. Pardonne à tes enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Réveille encore les dons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Manifeste encore ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi. Merci encore parce que tu ouvres encore des portes pour que les voyages se passent à différents pays, pour que ton peuple, oh, qui soupire après ta parole à toi, reçoive aussi ta parole, mon roi. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie encore davantage. Mon précieux frère Zachi, viens. Merci. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime.